bureau là tout de suite. Et je vous ramène avec moi, je vais vous embarquer avec moi. Je vais pas faire quelque chose de spécial aujourd'hui, mais juste que j'avais envie de vlogger et je vous ai promis de faire un petit vlog de temps en temps, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment vlogué, donc j'espère que la dernière vidéo vous a plu. Jaurès. Hello. Donc là, je viens de sortir du taf. Pardon, parce que je suis dehors. Du coup, c'est la première fois que je parle toute seule dans la rue. Je viens de sortir du taf et du coup, je vais aller à la papeterie café, rejoindre une amie. On va faire un peu de dye. On va peindre des mugs en céramique et ça va être fun, je pense. Donc, à tout. On a fini de faire de la poterie, non pas de la poterie, de la peinture. Et je suis avec, vous savez qui? Non, vous savez pas en fait, vous la connaissez même pas. C'est Marilyn. J'ai trop de soleil, du coup je me retourne. Elle veut pas. Bon, c'est pas grave. Là on va rentrer, moi je vais rentrer et elle aussi du coup. Et voilà. Alors, on est samedi, enfin on est samedi, mais bon, j'ai pas fait de grasse mat, donc c'est comme si on était lundi même, donc il n'y a pas eu trop de différence. Quoi qu'il en soit, on est samedi aujourd'hui et il fait très très moche, enfin il pleut, mais bizarrement le temps est agréable, je sais pas pourquoi. Généralement quand il pleut, il fait humide et tout, surtout en été. Mais là aujourd'hui on est le 1er juillet, on est officiellement vraiment mais vraiment en été et c'est trop bien du coup. Là le programme d'aujourd'hui c'est rangement, donc je vais ranger ma partie de la maison avec ma soeur. En fait on a un petit peu divisé le rangement à la maison, donc elle fait la partie d'en bas et moi je fais, excusez-moi, j'ai un truc là et du coup ça me perturbe à chaque fois. Et moi je fais en haut et du coup le plan aujourd'hui c'est ranger la salle de bain, plus les toilettes, le couloir, les escaliers, enfin nettoyer tout, patati patata. Et aussi peut-être ma chambre, parce que ma chambre n'a pas été nettoyée depuis quelques temps.
pour ne pas dire quelques jours et quelques semaines. Et donc voilà le programme du jour. On va aller faire de la cour de danse, un cours de danse avec ma soeur. Hello, me revoilà de retour à la maison après une grosse journée. En vrai, c'était pas vraiment une grosse journée parce que j'étais à la maison le matin, enfin toute la matinée j'étais à la maison, j'ai mangé à la maison à midi et j'ai suivi le culte à distance. Et pour le coup c'était vraiment chill et j'ai bien aimé. Après bah, l'après-midi j'étais sur Paris, je suis sortie depuis, enfin hier je suis pas sortie du coup ce dimanche, bah, j'étais sortie avec ma soeur avec qui j'ai passé une excellente soirée parce qu'on a fait de la danse et c'était trop bien. On a fait de l'hip-hop, enfin un truc que j'ai jamais fait avant. Du coup c'était vraiment vachement intéressant. Juste que je sais pas si je vais encore en faire parce que c'est pas vraiment le style que je veux en gros. J'aimerais bien faire de l'afro dance ou enfin un truc comme ça. Mais pas forcément de l'hip-hop. Après c'est vraiment un style assez. En fait c'est assez. Comment dire ? C'est assez dans le rythme, vous voyez, et c'est plus aussi l'attitude que le technique en soi. Et en même temps, il y avait pas mal de pas de danse assez technique et tout, donc c'était assez difficile pour une débutante comme moi, parce que j'ai jamais dansé dans ma vie, à part pendant les fêtes et tout, et d'ailleurs je danse n'importe comment. Mais là, pour le coup, c'était cool. Bon bref, je termine le vlog sur ça. En tout cas, j'ai pas pu filmer ce qu'on faisait parce qu'il y avait trop de monde et je voulais pas gêner les autres en filmant. Donc franchement c'était bien, j'espère pouvoir y retourner et filmer à ce moment-là, enfin pour voir un tout petit peu mes progrès et tout. Une autre activité que j'aimerais bien continuer en tout cas, donc je suis assez contente. Merci à vous d'avoir regardé.